1870. Depuis le 15 juillet, la France est en guerre avec la Prusse. Dès le 6 août, l'armée du maréchal Bazaine, battue en Lorraine, est refoulée sur le camp retranché de Metz, où elle va être encerclée. Tandis que celle du maréchal de MacMahon, battue en Alsace, se reforme au camp de Châlon, tente vainement de secourir Bazaine et se voit contrainte de se replier sous Sedan. Appartenant au 12e corps d'armée et placée sous les ordres du général de Vassoigne, la division de marine, la division bleue, comprend deux brigades, commandées respectivement par les généraux Reboul et Martin Despalières. La division bleue est exclusivement composée de marsouins de carrière et a déjà acquis un grand renom. Depuis les combats du Mexique et de Crimée, l'écho des expéditions glorieuses au Sénégal, aux Antilles, en Cochinchine et dans le Pacifique, l'infanterie de marine s'est faite une belle réputation. La France tout entière accorde sa confiance à ces hommes qui accomplissent outre-mer une œuvre qu'elle imagine mal, mais dont elle devine la grandeur. Le 31 août, vers midi, la division de marine reçoit l'ordre d'occuper le village de Bazeille, un des points clés de la défense de Sedan, dont l'ennemi vient de s'emparer. La 2e brigade est d'abord engagée. Entraînée au cri de « À la fourchette !» par le général Martin Despalières, qui charge sabre à la main, les marsouins du 2e de marine, d'un seul élan, dégagent le village. Le général Despalières, blessé, doit être évacué, et le 3e de marine renforce les défenseurs. Cependant, vers 17h, devant l'écrasante supériorité numérique de l'adversaire, la 2e brigade est contrainte d'amorcer un mouvement de repli. Derrière elle, sur les collines, les marsouins de la 1ère brigade du général Reboul, impassibles, attendent, l'arme au pied, l'ordre d'intervenir. Celui-ci arrive à 18h. La 1ère brigade, à la baïonnette, se rue à son tour sur l'ennemi, qui est à nouveau refoulé vers le bas du village. L'artillerie allemande riposte et arrose Bazeille d'obus incendiaires. 40 maisons prennent feu, transformant le champ de bataille en une infernale fournaise. Enfin, l'ennemi, abandonnant ses morts et ses blessés, se retire au-delà de la Meuse, vivement canonné par l'artillerie de la division. Le soir tombe sur Bazeille. Deux fois repris, où l'incendie fait rage. La défense du village est confiée au commandant Lambert. Les rues sont barricadées. La ligne de résistance est organisée, à mi-hauteur du village, en arrière de l'église. À l'aube du 1er septembre, profitant d'un épais brouillard, l'infanterie ennemie repart à l'attaque, sans rencontrer d'abord aucune résistance, car, conformément aux ordres du commandant Lambert, les barricades de la ville basse ne sont pas tenues. Soudain, c'est la fusillade meurtrière. Déjà, les 150 marsouins du commandant Lambert foncent sur l'ennemi. Débordés de toutes parts, les Bavarois affolés reculent dans des bandades et Bazeille est repris en entier. Alors, commence entre les hommes de la division bleue et le 4e corps d'armée bavarois, soutenu par le feu de 18 batteries d'artillerie, une lutte farouche. Au cours de laquelle les marsouins, se battant à 1 contre 10, vont à deux reprises chasser l'ennemi du village. Cependant, vers 16h, les munitions manquent et la poignée de survivants est submergée par l'ennemi. Bazeille est tombé. Au son de la musique, le général Van der Tann et ses Bavarois pénètrent sur la place de l'église. Tandis que dans les rues voisines, des soldats munis de torches
incendie les maisons épargnées, pourchasse les fusils les malheureux habitants. Cependant, les combats ne sont pas terminés. Et bien que grièvement blessé, le commandant Lambert organise une ultime résistance. La maison Bourgerie, une modeste auberge, est la dernière maison du village sur la route de Sedan. Quelques officiers et une trentaine de soldats, dont la plupart sont blessés, vont ici, pendant 4 heures, arrêter la progression des assaillants. Mais il ne reste bientôt plus de munitions. Qu'importe, on fouille les gibernes des morts et le combat, désespéré, continue. Ce fut le capitaine Aubert qui tira la dernière cartouche. Les troupes de marine venaient d'entrer dans l'immortalité. Pour que partout